En mars 2019, Jean-Louis Grindat exprimait, tant à moi-même qu'au prince souverain, son désir de quitter ses fonctions de directeur de l'Opéra de Monte-Carlo à la fin 2022. Il estimait, en conscience, qu'au terme de 15 ans de direction, le temps serait venu de passer la main à quelqu'un ayant de nouvelles idées pour l'Opéra en Principauté. Jean-Louis Grindat alors évoquait le nom de Cecilia Bartoli pour lui succéder. Cette dernière, qu'il avait informellement consultée, outre des qualités personnelles et professionnelles indéniables, était déjà fortement impliquée en Principauté avec les musiciens du Prince, dont elle assure la direction artistique depuis leur création en 2016. Cette suggestion séduisante, passionnante, ne pouvait que susciter mon intérêt et retenir mon attention. Validée par le prince souverain, une proposition a été alors transmise officiellement à Cecilia Bartoli, qui l'a acceptée, et j'en suis particulièrement heureuse. L'annonce a ainsi été faite par Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, présidente du conseil d'administration de l'Opéra de Monte-Carlo. Cecilia Bartoli succédera à Jean-Louis Grindat. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2023. Je serai donc fier et heureux de transmettre les rênes de cette exceptionnelle maison d'opéra à une artiste aussi généreuse qu'inventive, qualité indispensable pour développer l'activité de notre scène. Je travaille à Monaco, mon pays, dans une totale liberté artistique, portée par une confiance jamais démentie. Cette liberté m'a permis de présenter 82 ouvrages sur notre scène, dont 26 pour la toute première fois. Cecilia Bartoli, un nom, un visage, une voix surtout connue à travers le monde. En Principauté, elle assure déjà la direction des musiciens du Prince, créée avec Jean-Louis Grindat justement, direction qu'elle conservera. C'est une joie immense, c'est un honneur immense, mais une grande responsabilité. Mais j'ai toute l'énergie et la passion pour vraiment pour commencer ce rêve, parce que c'est un rêve vraiment de diriger un théâtre. Vous serez la première femme à occuper ce poste. J'imagine que pour toutes les artistes, y compris féminines, cela revêt une importance toute particulière à vos yeux. Et je pense que voilà, c'est important, bien sûr, que c'est la première fois pour une femme, comme c'était quand j'étais à Salzbourg aussi, pour le festival de Pentecôte, c'était la première fois qu'une femme avait cette position. Voilà, les femmes qui commencent. Non, je dois dire, c'est surtout, bien sûr, la femme, mais la musicienne, l'artiste. Voilà, c'est ça qui compte aussi, qui est très important. Et aussi beaucoup d'expérience, une femme qui a quand même 35 ans de carrière. Et ça, je pense que ça va aider. Cecilia Bartoli qui entend bien mêler tradition et innovation, classique et modernité.